Hop là, hop. Eh, n'empêche. Maintenant, le GIF 4 pour les phases d'attente, il est de bon usage. Hop. Hop. Ouais, enfin chacun sa place. Ça arrange bien les choses quand tu as la bonne place. Bah, le fait d'avoir gardé la faille ouverte... A plus conseil. Eh, après tout, comment se débarrasser d'une personne qui est actuellement protégée dans un bunker? Bah, pulvérise le bunker? Quelle question! Ouais, il s'est fait rect, mais dans le la plus grande violence. In trouble.
Bon. Allez. Ok, technique ancestrale des joysticks. Oh putain, il y a un trou noir en dessous en plus. Oh putain. Ouais, technique ancestrale des joysticks. Hein. Là, je pense que la fuite est tout indiquée. Par là. Putain, c'est une hydre le bordel. Dieu. Splella. Dieu Marcel. Ouais, mais alors là, 4 toute seule, elle va peut-être avoir un peu du mal, hein. Ça fait beaucoup de monde là. Oh boy. Ouais, le champ d'apesanteur de 4 va vite atteindre ses limites là. Décide, voilà. Pardon. Décide, appuyez sur le mauvais bouton. Oui. Ok, let's go tout faire péter. Détruire tous les points indiqués par pour séparer deux îles à sur la pesanteur, mais attention. Ça risque de péter. Oh putain de merde. Il y en a du monde en plus. Je crois que j'ai fait exploser 4. Je crois que l'explosion était beaucoup trop proche et 4 s'est fait one shot. Oups. La petite glissade. Oups. Garde un explosif sur toi et t'explosera la figure. Ah. Bon, ok, hein. Bon, par contre, attendez, parce qu'en vrai... Parce que là, il y a beaucoup trop de Navy, c'est chiant pour viser en vrai. Voilà.
Bon, on a fait un peu le ménage de Navy dans le coin. Ok, 2-1. Mais 4, qu'est-ce que tu fous? Voilà. Non? Ah, quand il disait avec les autres, c'est sur l'île. Ah. Ah ouais, là, elle fait 4 booms, exactement. Petite fille livrée avec succès. Bon, pas exactement au point où il fallait, donc alors, attendez, voilà. Bon, par contre, c'est pas le tout, mais... Oh boy. Oh boy. Bon. Problématique. Eh, ça te dirait pas qu'on essaye d'exploser les Navy qui sont dessus? Putain, en fait, c'est une version monstrueuse de Raven. En tout cas, on va le bagarrer comme on peut. Bon, bah, let's rock, baby! Je pensais que c'était un Navy qui était sur le bâtiment. Là, trop tôt.
Ok. Hop. Salut Raven! Bon, du coup, j'ai fini de mon côté, hein! Besoin d'un coup de main? Visiblement, oui! Oula! Oh oh! Alors attends, parce qu'il y a des navires à buter, mais on me donne un objectif par là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un giga canon pour les buter ou un truc comme ça? Non? Bon. Il a éternel pour un jour, c'est de béton et cristal pour pouvoir pousser un protocole. Les dernières bonnes et bonnes, Jaco! À la prochaine! Non, faut bien que je détruise tous les bras. Hein. Je vois pas pourquoi il m'a sorti un objectif. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Mais tape le truc à devant, 4. Ah, donc c'est ça, donc attends, j'ai un objectif par là-bas. Hein. Bah écoute, attends, on va tester voir. Hein. Non? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi des fois il met un objectif et des fois il disparaît. Non, par contre, si tu pouvais à un moment viser le boss, parce que c'est en train de me saouler là. Que le trou de verre il m'emmène partout sauf sur le. Voilà, merci. Voilà, que je devais m'y reprendre à plusieurs fois, ça y a pas de soucis, c'est normal. Ah putain. Putain, mais arrête de bouger! Oh, mais au secours! Ok, merci Raven. Pull the...
La console a du mal. Non, c'est moi qui ai du mal. C'est... On va faire une bonne grosse bagarrade comme on aime. Avec un beau gros canon. Tout bien, c'est pas à coup de pied qu'on va love battre ce truc. Voilà. Alors, on a pu... on lui a pété les bras. Ça a l'air de l'avoir un peu calmé pour le moment. Hop, on va juste faire une petite pause ici pour récupérer de la jauge de gravité. En fait, c'est pas que la console ait du mal. En fait, on le voyait mal parce que j'essayais de le suivre. Mais en fait, les bras bougeaient en même temps. Donc du coup, c'était assez assez compliqué de, de réussir à le suivre, en fait. Ok. Ouais, donc ça serait plus vers le haut en fait. Le bas, ça a l'air d'être que des moteurs gravitationnels. Là. Par ici. Oh non, j'ai pas de bons souvenirs de cette zone. Oh, j'ai... Maintenant que je le revois, je ressens de mauvaises vibes qui reviennent.
Ah ouais, Raven, elle leur a pété les dents. Bon, attends, où est-ce qu'ils sont? Hop là. Attends, dur. Dur, je sais plus, mais à la revoir, elle ne m'évoque pas de bons souvenirs. Alors j'arrive plus à mettre le doigt sur pourquoi, mais bizarrement là quand je la vois, j'ai juste envie de dire oh non. Mais pourquoi est-ce que je dis un oh non? Je sais plus du tout. Mais c'est pas le truc qui me vient à l'esprit. Bon, au moins il y a des gemmes. Et ça c'est bien. N'importe où il y a des gemmes, c'est bien. Ouais, je suis pas obligé de tous les bagarrer pour le moment en plus, hein, allez hop. Ah, c'est pour ça! Parce que ça, j'aime pas! Bienvenue à la gravité. Je crois que j'ai gagné un nouveau pouvoir. Allez, solaire, non. Ah bah non, le soleil n'a pas... Enfin si, il a une gravité, mais disons qu'on ne peut pas trop la vérifier, quoi. Bon, il y a le tuto qui va pop là pour avoir le nom ou pas. Mais ça, je sais pourquoi est-ce que je déteste ça. Parce que ça, par contre, j'aime pas cette gravité-là. Parce que du coup, je peux pas m'en débarrasser, là. Voilà, style Jupiter. Parce que oui. Et en plus, c'est vrai, hein. La gravité est plus forte sur Jupiter. Donc là, en fait, c'est le troisième mode. C'est le dernier, dernière gravité, hein. Donc en gros, c'est ta gravité terrestre. Donc la gravité à laquelle nous sommes habitués, hein, la gravité normale de Gravity Rush, c'est équivalent à gravité terrestre. La gravité lunaire, qui correspond à la gravité faible. Et donc là, la gravité Jupiter. Donc une gravité forte, le machin ça t'écrase quoi. Tant la gravité est puissante. Et donc là c'est le style du bourrinage. Oups. Et on est lourd et lent. Et on est à très courte portée. Parce que voilà, le coup de pied gravitationnel ne va plus très loin. Alors certes, hein, tu peux faire ça qui est archi stylax, hein, mais... En gros, t'atterris avec, avec un tel impact. Bah que tu écrases tout, en fait. C'est vraiment... Tu fais une onde de choc à l'impact. Et quand tu te bats, tu es lent. Par contre, tu fais mal de ouf. Mais t'es lent. C'est de Jupiter à destruction. Voilà. En gros, t'as des débris. Bah, les débris avant, je pouvais pas les passer. Bah, là maintenant, je m'en bats les couilles, frère. Je détruis tout. Et la boule de débris, un style Jupiter Champion compresse les objets ensemble pour former une boule de débris.
Bon, les ennemis sont où? Donc les ennemis sont là. Bon, ça c'est le truc qu'a Stylax avec. Et que tu fais une grosse bouboule. Alors pour miner par contre c'est pratique hein. Voilà, tu pètes les trucs en un coup. C'est assez impressionnant. Ah oui, tu t'en bats les couilles hein. C'est tu pèses 3 tonnes, tu exploses tout sur ton passage hein. C'est du bon gros bourrinage hein, ce style de gravité là. Si tu réfléchis pas, tu bourres. Mais c'est trop lent en fait, j'aime pas la lenteur que ça. En fait, c'est vraiment la lenteur du truc que je supporte pas. Oh, tu sautes pas, en fait tu t'en sers vraiment qu'en combat, c'est... Ouais pareil, je suis... Que toi là on me demande de me battre dans les airs, mais avec un truc qui est pas fait pour se battre dans les airs quoi. Ah ça fait mal hein, mais c'est pas le but du truc quoi. C'est se battre dans les airs, c'est vraiment pas la spécialité. Alors toi autant ce truc là je peux aller le pulvériser, mais alors les trucs dans les airs... Ah, toi ça tu l'éclates. Ah, je lui mets la misère. Mais alors par contre le machin qui vole là, lui il me fait chier parce que bah, en fait je peux pas le massacrer. Ah il reste autant bah putain. Et surtout voilà dès que tu tombes au sol, tu tombes si facilement. Bon par contre oui ça peut être des culs hein. C'est juste que c'est trop lent en fait. J'aime pas la lenteur du truc en fait. Par contre c'est cool hein, à mon avis si c'est un style de jeu auquel t'accroches, je pense que t'as de quoi t'amuser avec ça. Avec le style Jupiter, mais moi c'est vraiment pas ma cam. C'est vrai qu'il s'est pas fait toucher celui-là. D'accord. Alors vraiment c'est Jupiter, c'est pas ma cam. J'aime bien les trucs mobiles, les machins qui peuvent. Tu peux faire des trucs stylés avec là, celui-là. Après quand même c'est passe 2 pour toi. Ah ouais mais c'est ça, Ravan a fait un meilleur taf sur les ennemis aériens, les petits ennemis, elle faisait un super taf contre. Au secours. Sauvez-moi. Mais c'est pour ça. Donc en fait en soi c'est pas que c'est un mauvais souvenir. C'est juste que c'est un souvenir bon qui m'emmerde un peu quoi. Non, faut vraiment aller vers là-haut. Putain, le truc, c'est que ça les bute même pas tous. Attendez, je crois que je suis en train de partir dans le mauvais sens, en effet. Putain, mais vous êtes pas tous morts, vous ? Ah, au secours. Ah, cette lenteur.
Ah oui, c'est vrai que du coup, elle risque pas de se hisser, Kat. Avec un poids pareil, elle risque pas de se hisser. Oh non. Ah, ça va être ça. Ça doit être ça que j'ai pas aimé. J'aime pas les trucs en temps imparti. Quoi que ça devrait aller. Oh. À l'aide. À l'aide. Pour. Ah, là. Quelqu'un me tue. Sauvez-moi. Merci. J'aime pas les trucs en temps imparti. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Au secours. Par là. Attends, c'est laquelle la gravité normale là? Attendez. Fou. Doucement. Doucement le jeu là, tu commences à aller un peu trop. Un peu trop dans tous les sens pour moi là. Doucement. Doucement, doucement. Et il est minuit et quart là. Doucement. D'accord. Et là tu vas un peu trop dans tous les sens pour moi là. J'arrive même plus à te suivre. Voilà, c'est bien, je préfère comme ça. Rip le Navi qui traînait juste par là. Juste, je viens de lui faire passer une. Juste, je lui fais une mauvaise journée là. On a encore un défi. Est-ce qu'on peut me rendre mon style lunaire, s'il vous plaît? Pardon. Est-ce que je peux vous demander pardon? Yo, excuse me, what the fuck? Non! Mais elle a fait une glissade trop bizarre! Ça y est. Je sais pourquoi je déteste cette zone. Ça y est. C'est... T'as un défi en temps limité. T'as un défi où tu dois zigzaguer. Let's go! Tout ce que j'aime pas. Par contre, pourquoi j'ai pas activé la gravité, hein. Calme-toi, Kata. C'est pas le truc le plus maniable et on te demande de pas te faire toucher. Non mais toi bien. Hein. T'es caté, tout va bien. Putain de merde. S'il vous plaît. Ah merci. Oh j'ai eu besoin que de deux essais. Oh merci. Oh je pense que je me serais arraché les yeux si il y avait eu besoin de plus. Non, j'aurais cut le stream et je serais allé dormir.
Ah voilà, merci Raven. Merci de ta participation. Ça, par contre, avoir la participation de Raven là-dessus, c'est trop stylé. Oh non. Quoi? Oh! Attaque spéciale. Déclenche attaque spéciale, micro trou noir. Voilà, et donc là, le trou noir, c'est propre au style Jupiter. Donc. Voilà, et le trou noir ne marche pas forcément. Les ennemis sinon, parce que en fait si le trou noir peut pas tous les bouffer d'une traite Où est l'ennemi restant? Ah, ouais, alors par contre c'est une sorte de one shot, hein. C'est genre, je les aspire dans un trou noir et puis c'est fini. Hein. C'est le bon gros trou noir des familles. Les gemmes. Ah non, c'est pas ça. Ah, au secours! Je sais plus où je suis. Ah, l'angoisse! Eh, je suis pas claustrophobe, mais alors vraiment, quand tu l'es, ça va être une horreur ce level. Je suis pas claustro, mais alors ça va être vraiment l'angoisse. Hein. Ouf! Non, on la récupère juste sur la route. Et tu sais, c'est pas parce que je ramasse une gemme que c'est bon, c'est gemme celle. Hein. C'est faux. Ça, faut le dire quand je fais des grosses séances de farm, pas quand je ramasse des trucs qui sont mis sur la route. Ça veut rien dire. Sinon, ça perd son charme. Ce n'est drôle que quand tu le dis au moment opportun. Si tu le dis tout le temps, ça finit par ne plus être drôle. Oh là, cette abomination. Oh, je suis obligé de... Oh, je suis obligé d'y aller en style gravité du coup. Enfin, en style Jupiter. Let's go! Aïe.
Merci Bouboule de ta participation. Putain, c'est des cœurs de Navy, mais on dirait des yeux, c'est horrible. Ok, il y en a une là. Oh, il y en a partout, c'est horrible. Je suis pas certain que je vais le toucher celui-là. On s'en fout. Hop. Non, c'est bon, ça va pas perdre. Hey, let's go. Ouais, ouais, mais je veux dire, on dirait des yeux humains, quoi. Je le sais, hein, merci, j'ai joué Gravity Rush 1. Merci, je connais le jeu. Et tu sais, j'ai déjà fini le jeu, hein. Merci, je connais les Navy. Et jusque là, tu t'as même vraiment les yeux avec les veines et tout ça. Enfin, on dirait vraiment plus des yeux humains que des yeux de monstre, tu vois. C'est ça que je veux dire. Alors, attends, c'est sur le front qui vient de se libérer ou pas? Ah, quelle horreur. Je déteste me déplacer. Voilà. Let's go. Jamet. Sissy. Pula la. Ma. Teju. Obise ziruga palala o ebu anoa judu ya owa Quei miula jufe raven esisi is vleta fe juju Aoshui Judura Sione, gain! Aoki
Tu peux? Ah, monsieur là? Ouïe! Large. Large. Pour les taux? Oh. Aura. A dove? Sire. Exover. La savez. À qui? S'il plaît là.
Oh putain, mais quand est-ce que je l'ai coupé? Oh putain, pendant la cinématique. C'est pendant la cinématique. Et puis là, vu que je commence à pas être fatigué. Non, après, j'ai rien dit d'intéressant. Hein. Je dis, vous savez très bien comment ça va finir. Je sais pas si vous avez bien vu sur quoi j'ai insisté en regardant, en remontant. Voilà, et donc en fait, je disais, en fait, c'est le bon moment pour m'arrêter parce que là, je peux sauvegarder. Je pense que c'est le bon moment de m'arrêter, tu vois. Je m'arrête pile au moment où on retourne d'Aixeville, quoi. Et ensuite, eh ben, on se lancera dans le vrai, dans les choses, voilà, dans tout ce qui entoure le retour à Aixeville. Je pense que c'est le bon moment. Voilà, et comme ça, je me couche pas trop tard, comme ça, je suis en forme demain. Allez, on va faire comme ça. Donc, merci à vous qui êtes sur le stream, hein, les quelques-uns qui sont sur le stream. Et merci à toi qui as regardé ça sur YouTube. Donc, t'as envie de venir voir les autres streams. Voilà, il y a la chaîne Twitch en dessous, donc n'hésite pas à venir follow, plus comme d'hab. Le Discord de tous les youtubeurs, l'abonnement, le pouce bleu, le com, n'hésite pas, voilà. Allez, moi je vous dis bonne nuit, et du coup, ben, à demain. Allez, tchuss!